Alors, l'avis de Nico Hülkenberg concernant le transfert Hamilton chez Ferrari. Ben pourquoi pas, oui. Pourquoi pas avoir son avis? Après tout, on a eu l'avis des autres. C'est une transition qui a bouleversé la Formule 1. Nico Hülkenberg a également été surpris par l'annonce. Quand un pilote est dans l'équipe depuis si longtemps, vous essayez de comprendre quelque chose comme ça. Combien de temps Lewis est-il resté chez Mercedes? 11 ans. Mon corps personnel est de 4 ans environ. À un moment donné, tu as besoin de nouveaux défis, d'un changement de décor. N'oublie pas non plus que les deux dernières années ne sont pas très bien passées entre eux. Donc entre Lewis et Mercedes. Certes. Avec le transfert annoncé d'Hamilton, la soi-disant silly season avait commencé plus tôt que prévu. Une place chez Mercedes a donc se libérer. Ça n'arrête pas de bouger. Il y aura des mois intéressants. Un cockpit intéressant est en train de s'ouvrir grâce à Hamilton. Chaque pilote veut être dans la meilleure solution possible. C'est pourquoi vous voulez vous positionner le mieux possible. Bien sûr, beaucoup de choses dépendent de ce que la voiture permet et de la façon dont vous pouvez vous placer dans la vitrine. Ouais, bon, alors Nico Hülkenberg n'est pas candidat à un baquet chez Mercedes, hein. Je vous rassure, ce sera pas lui, hein. Du coup, je serais très étonné que Toto Wolff prenne Nico Hülkenberg. Ce serait très surprenant. Après, il est allemand d'un côté, mais bon, je pense pas. Je pense pas que ce soit très crédible. Bon, affaire à suivre. Quel est votre avis? Est-ce qu'il serait candidat à un baquet Mercedes selon vous ou pas, Nico?